L'USC présentait ce jeudi matin ses vœux à la presse et pour 2017, le président du club a pris de bonnes résolutions. Que l'USC gagne tous ses matchs à domicile. Bah écoutez, déjà, je présente mes meilleurs vœux à tout le monde, surtout la santé et pour tout le monde, les proches et plein de bonheur. Et puis après, bien sûr, pour le club, une belle fin de saison, ou tout au moins une seconde partie de saison, avec beaucoup de victoires et notamment demeurer, je l'espère, invaincu à Domecq sur cette seconde partie. Et justement, l'année commence avec un match à domicile demain soir à Domecq. L'USC rencontre le leader du championnat, Oyonnax, une reprise qui risque d'être difficile après la trêve de Noël. On a la chance de recevoir le premier du championnat. Alors c'est une chance, on le saura à la fin si c'était une chance, si on gagne. Voilà, il faut bien remettre les choses dans l'ordre, savoir qu'il risque d'y avoir des moments un peu brouillons, il risque d'y avoir un peu de difficultés par moment liées à la coupure, que ce soit sur des aspects physiques, que ce soit sur des aspects techniques, tactiques. Ce qui est vrai pour nous va être vrai pour Oyonna, va être vrai pour toutes les équipes du championnat. Donc il faut y mettre la patience pour ne pas s'affoler, comme on a su le faire sur d'autres rencontres, et puis mettre tous les ingrédients qu'il faut pour le gagner, prendre les points quand il faut et scorer à chaque fois qu'on peut. Résultat, demain soir, avec 33 points, l'USC est pour le moment 8e du classement.